en face de nous un magnifique simulacre shiny. Et ce qui va décider de venir nous rejoindre, on va vite le savoir. On le bombarde d'hydrocanon. Pierrot qui lui fait un petit dracorage. Et malheureusement, non, pas de simularme shiny. Quel dommage. À l'étage moins 40. On va se regarder à nouveau la petite cinématique de Kyogre. Oh. La puissance est en ébullition. La puissance est infinie. À l'issue d'une lutte sans merci contre Groudon, je me suis assoupi. Et j'ai attendu patiemment de recouvrer toute ma puissance. Elle revient. Je la sens. Je suis Kyogre. Je suis le souverain des mers. Admirez la force de mes vagues destructrices. Tremblez devant ma terrifiante puissance. Et voilà. Alors, on a une belle équipe composée donc de moi-même avec Tortank, Absol, Roselian. On a chopé un petit Ronflex pendant l'aventure, vous l'avez vu. On a récupéré un Libigon, un Capmutops, un Anorith et un Oursaring. Et voilà. Alors du coup, les vents, la violence du courant nous a éjectés. Mais du coup, voilà. Alors, let's go. On passe dans la boîte à objets. Inverse Orb. C'est parti. Le Pokémon est immunisé contre la capacité mais ne peut subir des dégâts s'il est touché par un objet lancé ou une explosion. Donc ça ne va pas être notre cas vu que il n'y a personne ici qui a ce genre d'attaque et surtout Pokémon. Regardez, pouf, on est tous voilà, abrités. On va ensuite passer en transcendance. Chez moi. Attention, c'est parti. Méga évolution de Tortank. Méga Tortank. Transcender le Pokémon libère toute sa puissance et ses combos portent systématiquement des coups critiques, même si le type et le talent de l'adversaire sont défavorables. Les combos feront mouche. Certains Pokémon peuvent méga évoluer. Donc, ce qui est notre cas. On est toujours abrité. Voilà, on va transcender aussi. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici, la coquine. Absol, qui lui aussi peut méga évoluer. Regardez bien, attention. Tadam, méga Absol est dans la place. Et on va garder la dernière pour plus tard. Et Hydrocanon est encore protégé. Et là on lui met un max de dégâts les gars, c'est un truc de fou. Donc je remercierai jamais assez la personne qui m'a montré cette technique. Regardez-moi ça, 172 sur un niveau canon. Faut surtout bien faire gaffe que le abri soit toujours là. Avec l'orbe qu'on a activé dès le départ. Et ouais, tu peux tenter tout ce que tu veux, mon grand. Mais hors de portée. Parfait. Attention, Primo qui est dans la place. Alors, les capacités de type eau augmentent, mais pas celles de type feu, qui sont donc inefficaces. On a toujours le abri qui est là. Un violent courant marin nous emporte. Attention, on va donc changer de place. Oh là là, elle est magnifique. L'eau inonde tout l'étage, difficile de se déplacer. D'accord. Pas de soucis, on s'en fout. On a pas besoin de se déplacer, les gars. On a toujours le abri qui est là.
On va faire transcender Roselia. Pour que ses capacités type plante fassent mouche. Le plus vite possible. Alors bien sûr, pas de méga évolution pour Roselia. Enfin, en tout cas. Par contre, attention. On a plus l'abri. On va en activer à nouveau. Elle est ici. Invincible tous. Hop. Et attention, on gagne tous. Ouais. Hop, B1 sur Ronflex, sur Kabutops. Du coup, en plus il y a de Pokémon dans notre équipe, en plus les... Vous voyez, l'attente est longue entre guillemets entre plusieurs attaques, hein. Forcément. L'originel n'a aucun effet. Et là, je bombarde de laser glace. Hydrocanon maintenant. En deuxième, il y en a foulé 79. Écosphère. Double écosphère de Roselia. Et ça y est. Et ça y est, les gars. Ça y est. La deuxième était la bonne. On a réussi. On a battu Kyogre. Enfin. Le courage de l'équipe des LCDG a impressionné Kyogre. Vous avez désormais accès au camp de la grotte océan et Kyogre rejoint votre équipe. En plus, ce Pokémon connaît la capacité pour formation série. Voulez-vous donner un surnom à Kyogre? Non. Et voilà, ça y est, la mer houleuse est terminée. On va pouvoir passer à la suite du scénario, les gars. Enfin. Rayquaza, le retour, la revanche. C'est donc toi qui as souillé mon domaine par ta présence. Si tu as gravi la tour céleste, ce ne peut être pour une chose, me défier. Détruire la météorite a affaibli mon corps, mais je suis devenu encore plus fort afin de mieux protéger mon territoire. Je jouis à présent d'une puissance extrême. Que je peux déployer à loisir. Une puissance que tu vas avoir l'honneur de découvrir dans toute sa splendeur. Misérable vermisseau, qui ose me défier? Je ne peux qu'admirer ton courage. Et c'est parti, let's go. Pour le nouveau combat contre Rayquaza. Alors, même principe que pour Kyogre, on va activer une invasorbe tous. Et voilà, maintenant on est à l'abri. On va pouvoir transcender. Dès que tout le monde aura attaqué, bien entendu. Eh ouais, vitesse extrême qui n'aura servi à rien, mon grand. Voilà, allez, on transcende ici. On va commencer par Onigdali. Et c'est parti, méga évolution! Méga Onigdali! Allez, combo! Laser glace blizzard, Tortank, vibre aqua 2, carapuce, tranche herbe, piste au point. Attention, on est toujours à l'abri ultra laser! Eh ouais, ça n'aura servi à rien non plus! Une tempête se lève, les nuages tacnent sur vos pieds. Attention, boum, on est tous séparés. Le vent souffle de plus en plus fort. Bon, c'est bon, je suis à l'abri ici. Hop, allez, on va transcender Tortank. Et méga évolution, méga Tortank.
Ouh là là, le 219 qui fait mal. Le vent vous emporte. Eh ben pas moi. Allez, maintenant on va transonder Articodin. Et c'est parti, transcendation. Transcendement, enfin transcendance, j'en sais rien. Et voilà, bim. Allez, et maintenant on va pouvoir commencer à attaquer à notre tour pour faire un max de dégâts. Eh ouais, qu'est-ce que tu crois? Coup double de Kangourex, le vent souffle de plus en plus fort. Allez, Blizzard. Boum. Oh, raté, dommage. Blizzard de Dracomix, 218. Draco Ascension. Et c'est loupé pour toi. Quel dommage. Carapuce qui fait vibre à quoi? Point comète. Pouh, le vent vous emporte à nouveau. Bizarre, ça a fait des dégâts. Bizarre. Boum, 154. Oh, il est gelé. Pourquoi Tortank a attaqué dans ce sens-là, j'ai peur. Les vents se changent en tornade. Oh non! Et il est gelé à nouveau! Allez, bim! Je me suis rapproché grâce à la tornade, ça c'est magnifique. Oh là là, les dégâts qu'on lui met, attention la combinaison! Méga Rayquaza est dans la place, attention, il vient d'arriver! Un vent violent souffle à travers l'étage. Cela annule les faiblesses des Pokémon de type vol. Ah, c'est pas grave! Puisque j'attaque avec de la glace, donc faiblesse de type dragon. Oh là là, ultra laser, attention! Pouh! Et c'est loupé pour toi à nouveau! Oh là, on a perdu le statut. Allez, on met la deuxième. J'en avais prévu une deuxième, bien entendu. Eh ouais, qu'est-ce que tu crois? Allez, bim! On est de retour! Eh ouais! Allez, Dracomix! Tu peux le faire! Allez, on y glalie! Boum! Boum! Isbeam! Oh là 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 là! Oh là là, il a mal, attention! Allez, Éclaglace! Éclaglace à nouveau! Oh là là, vent glace, poudreuse! Les Dracomix utilisent Blizzard et Laser Glace! Bon, on va l'avoir là! Ouragan! Ah, même pas peur! Eh ouais! Et on bougera même pas! Allez, bim, méga Onigladi qui rattaque! Et Dracomix qui s'acharne sur son laser glace! Carapuce qui fait des petits vibres à quoi? Ouais, par contre, tous les autres ils mettent que des petits dégâts à la con. Bon, c'est pas grave, hein, c'est des petits dégâts qui font. Qui peuvent faire la différence au final. Hein. Oh là 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 là. Allez! Allez! Oh, attention à l'ultra laser! Et Blizzard! Bim, 50, il est gelé! Double Blizzard! Combo, il est gelé! Oh, quel dommage! Blizzard laser glace! Double laser glace! Vibre à quoi de carapuce? Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est dur! Bon, attention, vitesse extrême qui ne fait rien à nouveau!
Une tempête se lève, les nuages tanguent sous vos pieds. Et tout s'était dégagé à nouveau. Le vent souffle de plus en plus fort. Ah non, zut, je l'ai loupé. Il est trop loin. On va y arriver là, non? Un jour. Ce serait bien avant de perdre le statut. Non, perdre le statut. Ouh là là. Alors là, ça va piquer là. Ouh, tu. Allez, bizarre. J'ai le. Ah, dommage. Bizarre Dracomix et Laser Glass. Oh là là, oh là là, oh là là. Ouh, et Kangourex est KO. Mini Résugraine pour Kangourex. Elle est bizarre à nouveau. Allez, encore un bizarre. Oh là là, l'ultra laser. Ouh, il a fait mal celui-là. Oh, et ça y est, on l'a vaincu. Et en utilisant qu'une seule mini résugraine. Oh là 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 là. Et magnifico! Le courage de l'équipe des LCDG a impressionné Rayquaza. Vous avez désormais accès au camp de la mer des nuages et on recrute Rayquaza niveau 70, qui devient donc notre meilleur Pokémon dans toutes nos tribus. En plus, ce Pokémon connaît la capacité cool Méli-Mêlée. Voulez-vous donner un surnom à Rayquaza? Non, bien sûr. Mais quand même. Corki, si tu passes par là, c'est à toi que je pense en donnant pas de surnom à Rayquaza. Et d'efficacité des friandises érisées, parfait tout ça. Allez, on recule, on recrute à nouveau un petit Carapuce qui va à la mer Carapace. Non, pas de surnom. Eh oui, un petit salamèche de plus. Et lui, on va lui donner un petit surnom pour Pyro. Oui, et on va l'appeler Pyro 2. Non, Pyroman plutôt. Ouais, j'ai envie d'appeler Pyroman. Non, Kocha. Kocha. Hop. Pyroman. Allez, le petit Bulbizor. Bulbi. On va l'appeler Bulldozer. Ouais. Bulldozer. Hop là. Et voilà. Oui. Et lui, on va l'appeler Kangourou. Bien, Kangourou Jack. Je sais pas si j'ai assez de place pour faire Kangourou Jack. Voulez-vous donner un surnom? Oui. Kangou. Non, bah Kangou. Comme la voiture, Kangou. Même si j'ai pas cocha. Et Cisaiox. Le petit Cisaiox, on va l'appeler Fantôme. Puisque je sais que dans un des épisodes... Ah mince, zut, bah tant pis, j'ai cliqué trop vite. Je voulais l'appeler Fantôme. Allez, les petites quêtes. Tropius qui nous donne 200 points de secourisme. Oui, entre deux, je suis passé grade diamant. Et regardez la belle statue de Dimouri qui est venue se rajouter là-bas.
200 pour Hoot-Hoot. Merci Hoot-Hoot. Oh, il veut rejoindre notre équipe. Wouhou, niveau 13. Ok, t'es une chèvre, mec. Tu sers à rien. Non, pas de surnom. Quel horreur. Quel horreur. 232 points de secourisme. Ça, c'est cool. Voilà. Quatrième mission, puisqu'on en a eu 5 en tout. Deux drios et une autre coco. Seulement 100. Là, c'est des chèvres. Bande de rapaces. Et Ratatak avec sa graine illustre. Seulement 100. Toi, t'es un rat aussi, toi. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde!